On le voit déjà chez les enfants tout petits, il y a déjà beaucoup de violence. Et c'est de plus en plus tôt. Et plus ils grandissent, et plus cette violence grandit avec eux. C'est comme ça qu'on fabrique de futurs délinquants de plus en plus jeunes. Et tu penses que les parents sont responsables ? Tout le monde est responsable. La société, l'école, les parents, nous sommes devenus incompétents, on s'est laissé dépasser. La source du problème est aussi dans l'hérédité psychologique qui se transmet de génération en génération. Les traumatismes, les conflits non résolus, les problèmes de société, les chocs de génération qui changent et qui évoluent. Mais t'as pas l'impression que les parents ont abandonné ? Certains se sont laissés dépasser, certains ne savent pas éduquer. Certains avaient déjà des traumas qu'ils n'ont pas réglés avant de devenir parents. Personne n'a vraiment le mode d'emploi. Mais c'est la responsabilité de chaque parent d'éduquer son enfant pour que l'enfant s'adapte à la société. Moi, ce qui me choque, c'est l'agressivité et la barbarie de plus en plus jeunes. Avant, on n'entendait pas des événements comme ça. Il n'y avait pas autant de violence, et surtout aussi jeune. Alors, le problème de notre génération, il ne faut pas oublier qu'il y a les jeux vidéo qui prônent la haine, la violence. Les réseaux sociaux qui font circuler des vidéos de plus en plus gore. Et puis les films, les séries télé. Si on ne reprend pas en main l'éducation de la future génération, on va droit dans le mur.